Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo un petit peu spéciale. Donc en fait sur Instagram je vous ai dit que je voulais commencer à faire des critiques de films. Et donc pour l'occasion j'ai posté une photo sur mon compte où je vous demandais de m'envoyer des noms de films. Du coup vous m'avez envoyé beaucoup de films et je vous en remercie. Mais le problème c'est que je vais pas faire de critiques de films. Alors pourquoi vous me direz j'ai pris cette décision? En fait c'est tout con mais j'ai sélectionné quelques films, je les ai visionnés, hein, j'en ai visionné plusieurs. J'ai pris énormément de notes pendant les films. J'ai vraiment essayé de faire les choses bien. Mais maintenant, je sais pas comment m'y prendre. Donc en gros, j'ai tout préparé, mais je sais pas comment faire la vidéo. Vraiment, je le sens pas de faire des critiques de films pour le moment. J'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, mais putain, comment je vais la faire cette vidéo? Par où je vais commencer? Comment je vais essayer de tenir un fil rouge et tout ça? Et j'y arrive pas. Et vraiment, je me dis, pourquoi est-ce que je ferais... une critique d'un film que les gens ont déjà vu ou que des gens n'ont pas vu? Dans les deux cas, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de regarder. Et j'ai commencé à me poser tellement de questions que je me suis dit non, on va pas la faire la vidéo. En fait voilà, je fais déjà pas mal de trucs variés sur la chaîne, hein. Je fais pas une série vraiment de quoi que ce soit sur ma chaîne. Mais là je me suis dit ça c'est peut-être la goutte en trop quoi. Le truc qui fait que je vais peut-être un tout petit peu trop loin. Donc pour l'instant j'en ferai pas. Pour l'instant, pour moi, dans le futur j'en ferai pas. Mais ça veut pas dire que je n'en ferai jamais. Mais je pense pas. Putain. Donc voilà, de toute façon, tout ça pour dire que j'ai énormément d'idées. J'ai noté tellement d'idées sur mon téléphone. J'ai des vidéos qui sont déjà toutes écrites, mais je les ai pas encore faites. Ça fait des mois et des mois qu'elles sont écrites, mais que je les ai pas encore tournées. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur ces vidéos-là que j'ai écrites. Et puis, pour les futures vidéos que vous verrez, ce sera des vidéos un petit peu comme d'habitude, des vidéos what the fuck, des vidéos drôles, mais pas de critiques de films. Et en fait, pour être très transparent avec vous, genre, de regarder le film, de prendre des notes, tout ça, ça m'a pas tant dérangé. Même si des fois, je savais pas trop quoi écrire, il fallait que je me force à aller un petit peu plus loin. Mais ce qui m'a dérangé, c'est de faire le reste. Je me suis dit, mais putain, c'est la première fois que je me suis dit... est-ce que ça me plaît franchement? Est-ce que ça me plairait franchement de faire ça? Ou est-ce que je le fais juste pour les autres quoi? Et évidemment, il faut faire des choses qui plaisent aux autres, mais il faut faire aussi quelque chose qui nous fasse plaisir et qui nous emmerde pas à faire. Et donc, comme je disais, de prendre les notes du film et de regarder le film, les films, ça me dérangeait pas. Mais par contre, après, quand il fallait que je structure tout ça, que je filme et que je fasse le montage et tout ça, je me suis dit, mais... ouais, non, mais je préfère faire des vidéos drôles, des trucs comme ça, franchement, une critique, non. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné, et je pense que j'ai bien fait d'abandonner dès le début, plutôt que de faire toute la vidéo, de la poster, et de ne plus jamais en faire. Donc voilà, en gros, j'ai merdé, mais je repartirai de plus belle. En tout cas, j'espère que vous respectez ma décision, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci à... merde, la bougie... Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer la bougie que je devais mettre là dans le coin. Alors je vais le faire maintenant. Voilà. Contemplez-la, hein, parce que c'est la fin de la vidéo.